Coucou. Bon, bah, je viens vous faire une petite vidéo parce qu'on m'a demandé un petit service. Donc, si vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai fait cette carte. Mais elle fait, je crois que j'avais pris une feuille A4 rouge et je l'avais pliée en deux. Mais on m'a demandé de les faire plus petites. Là, celle-ci, elle fait 21 sur 14,5. Ouais, c'est ça, j'avais plié une feuille A4 directement en deux. Il faut mettre un papier blanc, bien sûr, à l'intérieur. Et j'avais fait ça. Et on m'a demandé si je pouvais en faire plusieurs, mais plus petites. Donc, j'ai préparé ce qu'il fallait là. Alors, je vais essayer. Là, j'ai tout coupé parce que je ne vais pas vous montrer comment j'ai fait, mais je vais le faire quand même avec vous. Voilà. Donc, j'ai pris un morceau de 20. 15, je crois que c'est ça, hein. Là ça doit faire 10, oui c'est ça, et là ça fait 15, donc je l'ai plié en deux, je pense que ça fait la grandeur d'une carte normale. J'ai coupé un papier, alors j'ai du doré et j'ai de l'argenté, donc je vais, parce qu'il faut que j'en fasse plusieurs, faut pas que j'en fasse qu'une, hein. Je vais mettre ce morceau, là j'ai préféré en argenté. Alors, je vais le coller avec vous, ça va être assez vite hein, puisque tout est coupé, mais je voulais vous montrer qu'on m'avait demandé. Et donc, moi, mon but, ça va être de les faire et je vous en publierai une de temps en temps, là, à partir de maintenant. Je ne vais pas toutes les faire sur le même modèle, mais c'est ce modèle-là qui va primer, je pense. Je vais en faire d'autres, mais dans d'autres modèles. Mais ça sera à peu près... À peu près toujours pareil. Bon, là, il faut vraiment que je colle bien parce que comme c'est pas là, c'est pour un marché de Noël. On m'a demandé ça pour un marché de Noël. Donc, moi, c'est pas moi. Je le fais pas le marché de Noël. Hein. J'avais décidé que je faisais rien pour le marché de Noël, mais là, comme on me l'a demandé gentiment, j'ai dit bon, ben, je vais le faire. Alors là, je viens de faire une bêtise, c'est de mettre de la colle. Le prochain, je mettrai du double face. Je vais prendre un petit morceau là pour essuyer sur les côtés tout de suite, tout de suite. Je m'applique, mais là, il faut que je m'applique encore plus parce que là, c'est pas pour moi. Hein. Donc, il faut que j'en fasse quand même pas mal pour un marché de Noël. Je vais essayer de trouver des pochettes transparentes pour les mettre dedans. Je crois qu'il y en a encore. Je crois que j'en ai encore où j'irai voir à Action. Et puis de toute façon, il n'y a pas que là qu'on en trouve. Hein. Je peux en commander sur Amazon. Donc j'ai pris aussi un petit morceau de papier blanc, comme ça. Alors là, celui-là, le. Donc ma carte a fait, j'ai dit 15 sur 10. Mais ça fait 20 sur 15. Hein, mais on va parler que de la largeur de la carte. Je vais la mettre dans ce sens-là. Hein. J'en ferai peut-être après en. Alors, ça, c'est forme paysage. J'en ferai peut-être en forme portrait aussi. Hein. Là, pour l'instant, je fais en forme paysage. Donc, là, j'ai pris un morceau, j'ai dit de 14,5. Là, j'ai dû faire 14 sur. Je ne sais plus, sur 9, je crois. 14. Ouais, sur 9. Donc, ce que je vais faire, par contre. Oui, il faut d'abord que. Je vais le préparer déjà avant parce que là, c'est un peu plus. Alors, par contre, il faut que je change absolument ma lame de massicot. Il faut absolument que je retrouve où elles sont mes lames. Elles doivent pas être bien loin, mais il faut que je les retrouve. Je vais. Alors, ici, j'avais mis un morceau de ruban plus large, hein, puisque la carte était large. Là, j'ai été voir dans mes morceaux et j'en ai. Alors, celui-là. Par contre, je vais aller allumer la lumière parce que. Il est quelle heure là? Il est 5h15. Demain il sera 4h15. Je vous dis pas, il va faire nuit de bonne heure demain. Voilà. Je vais. Alors. J'ai coupé aussi un morceau. Ah oui, il faut que. J'ai coupé aussi un morceau qui fait 13,5 sur 6. Oui, 13,5 sur 6, que je vais venir mettre ici. J'ai déjà collé celui-là. Déjà le coller.
Bah, et comme je ne savais pas trop quoi faire, bah, vous voyez, ça va m'occuper. On m'a demandé, donc je vais en faire. Je vous dis, je les publierai de temps en temps quand j'aurai un trou. Bon, j'ai souvent des trous dans mes vidéos. Et comme je n'ai pas grand-chose à vous montrer en ce moment, et bien comme ça, je vais vous faire plusieurs modèles de cartes. Comme je vous dis, ce n'est pas mon dada, les cartes, mais bon, de temps en temps, ce n'est pas non plus ce qui me déplaît le plus, hein. Donc, je vais mettre... Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un petit filet de colle, là, quand même. Tout petit filet. Ou alors, je vais mettre du... Je me relève, je vais chercher du double face. Oui, mais c'est... Parce que je ne vais pas... Je vais mettre celui-là, là. Je vais sortir déjà mes fins de rouleau de double face et j'en rentamerai d'autres après. Donc, je ne sais plus quand est-ce que je vous l'ai fait. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai fait cette carte. Comment? Cette carte. Et on m'a dit, oh, ben, elle est bien, j'aimerais bien. Si tu pouvais m'en faire pour le marché de Noël, bon. Je vais faire. Suis pas un monstre. Voilà. Donc, avant de coller ça dessus, je vais coller mon ruban derrière, comme ça. Ça va tenir mieux. Vous voyez? Ce que je vais faire, je vais sûrement me faire ça en série. Parce qu'il faut que, faut pas que ça traîne, il faut pas que ça soit trop, faut que ça soit pour bientôt. Donc je vais les faire, je vais les envoyer. Et puis comment? Et puis je les publierai, je vais les filmer et je les publierai au fur et à mesure que peut-être que j'en mette un petit peu plus là. Ouais. Un petit peu plus. De toute façon, c'est pas grave, là, ça va être caché, ça. Là. On va mettre celui-là, là. Voilà. Et ça va venir se reporter là-dessus, comme ça. Oui. Comme ça, comme ça. Oui. Bon. Je vais mettre du double face, hein, parce que vous voyez déjà, heureusement que ça va être caché. C'est ballot, hein, il va falloir que j'aille chez Action. Si j'ai pas assez de pochette et pas assez de double face, c'est vraiment ballot. Non, c'est pas. Mais j'ai encore pas mal d'avance dans ma colle, dans tout ça. Les pochettes, bon, bah, même si je les prends qu'au dernier moment, c'est pas grave, hein. Ou même, ouais. Donc, on va décoller tout ça. Ce que je vais faire, je vais me couper tout d'avance. Et comme ça, j'aurai plus que du collage après à faire et à filmer chaque carte séparément, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, comme je vous dis, ça ne sera pas tout sur le même modèle, mais ça se ressemblera quand même. Hop. J'étais même étonnée qu'on me le demande, mais bon. Voyez, j'avais dit non, non, moi, je fais rien. Et puis en fin de compte, même si j'en fais deux, trois par jour, je les filmerai, que je les publierai qu'une par une. Je ne publierai pas tout d'un seul coup. Et à la fin, je vous montrerai tout d'un seul coup, je pense. Je pense. Enfin, pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, je fais le prototype pour voir si vraiment ça plaît, si c'est bien ça qu'on veut, et voilà quoi. Je ne vais pas m'embarquer à en faire plusieurs si ça ne plaît pas. Mais je pense que si quand même, hein.
Donc ensuite, là, j'avais mis des petits carrés, j'avais collé des petits carrés. Donc j'en ai recoupé là j'ai pris ça dans ce bloc-là que j'avais. Vous voyez, j'avais plusieurs couleurs. Donc je vais voir ce que je peux faire avec tout ça. Oh, il y en a un écossais là, il est pas mal celui-là. Oh, puis il y en a du tricot aussi. Ouais, celui-là, là, il est pas mal, j'aime bien. Vous voyez? Donc, je vais mettre. Alors là, il va falloir que je les sépare. Je n'ai pas vraiment calculé si c'était bon. Mais ce que je vais faire, je vais en mettre un à chaque bord, comme ça, à peu près comme ça. Et celui-là, je vais le mettre ici. Oh, bah si, ça le fait. Si, si, ça le fait. Donc. Je vais faire coller. Si je faisais comme 4 avec le doigt là, c'est quand même bien ce qu'elle fait. Quand je la regarde faire 4, c'est vrai que ouais, avoir un chiffon. Mais j'ai des lingettes. Il faudrait que je me sorte mon paquet de lingettes parce qu'au moins c'est bien étalé partout parce que. Voilà. Celui-là, je vais le coller après. Ouais, je vais faire ça. Mettre de la colle. Je vais sortir mon paquet de lingettes quand je serai en train de faire ça pour me nettoyer les doigts. Ah bah ouais. C'est quand même mieux. On arrive à en mettre partout et au moins on est sûr que ça colle. Pas bête, 4. Je l'ai déjà vu faire plusieurs fois, hein, c'est pour ça que je le dis. Voilà. Je vais mettre le troisième petit carré. Oui, c'est des petites choses que je peux préparer à l'avance, ça. Si je n'ai pas tout ce qu'il faut. Comme là, du papier rouge, j'en ai plus beaucoup. Je vais m'en recommander. De toute façon, ça me servira toujours. Enfin, je vais m'en recommander. Pour être franc, j'en ai déjà commandé que je devrais recevoir demain. Donc, parce que je sais que j'en aurai pas assez avec tout ce que j'ai à faire. Voilà. Je me suis découpée. Alors, là, ici. J'avais mis une petite pépette. Bon, j'ai sorti tous mes bouquins. Hein. J'ai sorti les pépettes là de ce livre, de Marémis Monarque là. Voilà. Donc, j'ai des petites pépettes à découper. Je vais en mettre des petites pépettes. Et là, j'ai découpé autre chose. Alors, attendez, parce que j'ai sorti que pour une carte et vous verriez déjà le bazar. J'avais ces petits bouquins-là que j'avais achetés aussi, que je vous avais montré. Attendez, vous êtes ouf. Là. Et j'ai trouvé justement un petit chat Père Noël. Et ça, je sais que ça va plaire. Donc, je vais le mettre à la place de la petite pépette. Mais j'en ai pas beaucoup. Je pense pas que j'en ai beaucoup des chats. C'est ça qui me. Ou des animaux. Je vais voir ce que j'ai. Là, j'ai un cerf, je pourrais le mettre. Là, ben, j'ai un chien, ça c'est bon, je peux le mettre. J'ai des petits bonhommes de neige. Il faut que je prenne des choses qui soient de la grandeur. Une boule de neige, je pourrais la mettre, mais alors avec un fond doré, je pense. J'ai des choses roses, donc il faudra que je me trouve du papier rose. J'ai des ours, donc ça c'est mignon aussi, je pourrais les mettre. C'est plus ah, le petit chat là, je vais pouvoir le mettre. Je pourrais en mettre un avec un Père Noël aussi, hein, de toute façon. Ouais. Et dans l'autre, je me rappelle plus ce qu'il y a. Des cerfs, ben ça, je vais pouvoir mettre. Cheval, je vais pouvoir mettre. Là, le Père Noël avec le cerf, c'est très bien. Oh oui, je vais pouvoir en découper là en attendant d'avoir mes papiers là que j'ai. Le cochon, je ne sais pas. Non, ça m'étonnerait que je le mette.
J'aime pas trop le cochon avec son bonnet de Père Noël. Je vais pouvoir mettre la vache, je sais pas. Faut que je m'en non le cochon, ça c'est sûr que je la mettrai pas. Le petit pain d'épices, je pourrais le mettre. Je regarde un petit peu, il me faut de ces grandeurs-là. Donc j'ai de quoi faire quand même dans les grandeurs hein, d'image. Là, celui-là, ça c'est sûr que je le mette aussi. Celui-là aussi. Je vais me les découper, je vais le mettre de côté. Les petits chiens. Oui, c'est. Je vais pouvoir faire quelque chose, je pense, qui va leur plaire. Ouais. Je vais chercher. Puis j'ai des papiers, j'ai un tas de. Faut pas dire que j'ai rien, j'ai des choses. Hein. Ouais, je peux faire aussi avec une cloche. Je peux faire. Toujours dans le même style de carte, mais avec le décor différent, quoi. Donc, on va continuer. Hein. Je vais coller mon petit chat. Je vais le mettre ici. Voilà, comme ça. Alors, on y va. Ouais. Là, je vais m'installer. Je vais me mettre à découper des petits décors que je sais que je mettrai. Que ce soit en paysage ou en portrait. Hein. Ça, c'est. Ah ben voilà, maintenant, je... ben... il faut que j'arrive à... maintenant, ça fait un moment que je fais des trucs avec de la colle, mais je sais pas pourquoi, et pourtant, je l'ai vu faire plusieurs fois avec Kata. Hein. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas vu, je regarde toutes ces vidéos le soir, je regarde toutes ces vidéos le soir, parce qu'elle publie généralement le soir. Voilà, aussi. Et là, j'ai pris du... Alors là, j'avais des gros. J'avais fait un nœud. Il me semble que c'est moi qui l'avais fait, le nœud là. Je crois. Je ne sais pas si c'était avec celui-là aussi. Non, il était plus large. Il était plus large. Et ben là, je vais faire avec un petit. Comme ça, je vais garder pour faire mes bandes. Et ça, ben oui, il faut que je calcule quand même. Hein. Si on m'a demandé ça à brûle-pourpoint. Alors, je ne sais pas si. Voir hein. Le tout c'est de m'y mettre parce que depuis ce matin je cherche comment ce que je pourrais faire et puis d'un seul coup je dis mais oui mais je pourrais faire comme ci comme ça est-ce que ça serait pas trop petit ou est-ce que je fais un nœud avec ça faudrait que j'en trouve un je crois que j'en ai un oui mais l'autre il est en organza ça serait pas c'est j'ai mis mon épingle. Je vais voir avec celui-là lequel qui est le mieux quand même, parce qu'il faut quand même que ça soit joli. Je vais couper le bout. Comme ça. Alors. Comme ça. Peut-être que ça serait plus joli la largeur. Là. Par contre, pour coller les nœuds, je vais peut-être prendre le pistolet à colle chaude quand je les collerai tous ensemble. Parce que je ne vais pas tout faire une par une comme ça. Hein. Je vais les faire en série. Donc, je vais me préparer des nœuds. Je vais me préparer des. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Celui-là est trop grand. Encore celui-là. Hop! Comme ça, ouais, ça serait pas mal. Et ici, il faut par contre, il va falloir que je trouve. Oh ben, je crois que j'en ai. Je vais regarder ça. Je crois que j'en ai dans le dans mon petit bloc là. Je vais coller. Alors, de quel côté qui est le mieux? Celui-là. Oui, celui-là est pas mal. Hein. Celui-là. On va le recouper un petit peu, encore un petit peu. Ouais, je l'avais collé sur le. Ouais, comme ça. Donc, je vais mettre de la colle. Mais je vous dis, pour les nœuds, je vais sortir mon pistolet à colle chaude et je les collerai tous à la suite. Parce que j'en ai pas mal à faire.
Je sais pas si je pourrais tout faire, mais enfin bon, on va voir. Forcément. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Et je crois que j'ai vu. Attendez. Voilà. Ça. Est-ce qu'il y aurait quelque chose? C'est pas écrit en français en plus. Il y en a combien de pages? Mais je crois que j'en ai un autre. J'ai mes. Attendez. Là, j'ai Merry Christmas. Ouais, attendez. Ce que je vais faire, je vais couper ça. Bon, je vais sûrement en perdre un des. Comment? Des mots. Mais du moins que. On arrive à faire quelque chose. Hop. Alors, qu'est-ce qui est écrit là? Ouais, celui-là, je m'en servirai pas, ça c'est sûr. Il y a des mots, je m'en servirai pas, donc hop. Moi, je. Celui-là, voilà, comme ça. Hop, ça va aller dans mon. Alors, est-ce que ça, je m'en servirai? Oui, il y a Merry Christmas dessus. Celui-là, il n'y a que Merry et Chris. Donc, hop, à poubelle. Et celui-là, avec mon petit truc là. Et ça. Je vais faire un tout petit. Toute petite pointe. Comme ça et que je mette ici comme ça. Ouais, allez, tac, et tac. Bon, ça, il faut qu'il tienne. Hein. Le nœud, là, pour l'instant, il ne tient pas des masses. Ben, écoutez, je ne suis pas mécontente de ma petite carte comme ça. Bon, c'est le bazar sur ma table. Oui, je sais, mais c'est pas grave. Regardez, ça, c'est la petite qui fait 10 sur 15. Et celle-là, c'est une feuille A4 qui est pliée en deux. Mais ça fait trop grand, ça. Ça fait trop grand. Mais des petites comme ça. Et puis, dans le milieu, là... Après, je prendrai du papier blanc, je mettrai un petit carré de papier blanc ici, ou plié, je ne sais pas encore, et ça fera l'affaire. Voilà. Donc, je vais la prendre en photo, je vais l'envoyer à la Miss, là, à la Miss, et puis, que je connais très bien. Et puis, je lui ai demandé si elle est contente de ça. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. Que vous allez... j'espère que vous allez attendre mes cartes une par une. Mais peut-être pas tous les jours. Mais peut-être une fois tous les 2 jours. Ou peut-être 2 dans la journée. Ou peut-être une. Ça sera n'importe quel... Ça sera le matin. Ça sera l'après-midi. Ça sera le soir. Ça dépendra de ce que j'ai à vous... À vous publier en vlog, en retour de course, en... Bah, comme d'habitude, quoi. Voilà. En blabla, en... Voilà. Donc, bah, écoutez, ça me plaît vraiment, ça. Cette petite forme-là, comme ça. Donc là, je vais m'amuser à découper, là, en attendant, parce que je vais recevoir mes papiers demain. Parce que j'ai de quoi encore en faire une, mais je ne vais pas m'y mettre, là. Je vais les couper toutes en même temps. Et puis, voilà. Donc, je vous fais un gros bisou, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!